À tout à l'heure, Michou. Pourquoi tu me regardes mal comme ça? Coucou les filles, les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis désolée en ce moment, je suis totalement au naturel, mais j'essaie de prendre un soin. Oh là là, le français, il est parti. J'essaie de prendre soin de ma peau un maximum parce qu'elle a pris cher. En ce moment, je vais pas vous mentir que je n'ai pas été régulière dans les soins de ma peau au niveau du lasering. Déjà que j'utilise des produits pas très forts en ce moment, mais je pense que je vais repartir à la gamme que j'utilisais avant, notamment pour le toner et pour la crème hydratante, parce que je sais très bien que la marque, je vais vous la mettre juste ici, elle va super bien avec ma peau. Et surtout, j'ai remarqué, vous savez, une petite recrudescence de poils. J'ai toujours eu un petit peu de poils ici sans que ça soit catastrophique. Mais là, j'ai une recrudescence de poils que j'épile. Moi, il faut savoir que je n'aime pas trop l'épilation parce que je suis super douillette. Mais là, je m'y suis mise. Je suis carrément en train de penser de me faire une épilation définitive. Mais c'est vrai que j'ai regardé les avis et c'est vrai que des fois, il vaut mieux traiter le problème à la source au niveau des dérèglements hormonaux et ce genre de choses-là. Du coup, là, je suis dans la voiture. Je vais faire un petit tour, non seulement pour m'aérer un petit peu parce que je suis redevenue maman au foyer et je vais pas vous mentir, avec tout ce qui se passe en Martinique en ce moment, les enfants ne vont pas vraiment à l'école parce que les écoles sont fermées ou tout du moins, elles ont été fermées pendant un petit moment. Et les filles, on a fait grâce pour Mimi, on l'a gardée à la maison, on aurait pu l'envoyer à la crèche, mais je l'ai pas envoyé parce que manger des repas froids, c'est pas vraiment le top. Du coup, donc j'ai préféré la garder à la maison. Cependant, trois enfants, les filles, surtout ces enfants-là, c'est trop compliqué à la maison, vraiment. Donc c'est pour ça que je vais prendre le temps pour, en fait, prendre un petit peu l'air. La clim, ça fait du bien quand même, ça fait du bien. Mais on va l'éteindre pour le moment. Et je dois passer chez le papy de mes enfants, récupérer quelque chose. Mais ils m'ont pas répondu. Tati Esther ne m'a pas répondu. Et si j'ai le temps, si mon chéri me laisse l'occasion, parce que il a besoin d'aller au surf aujourd'hui, comme il est de repos, et ben je laverai la voiture parce que la voiture mérite un bon petit clean. Mais vraiment un bon petit clean. Je suis à deux doigts de me dire que avant de la ronde et même avant ça quoi, pour profiter d'un truc super clean, parce qu'avec les enfants c'est pas forcément évident, je vais faire shampooiner la voiture. Dites moi ce que vous en pensez. Bref, je vais écouter un petit peu de musique et puis c'est parti. Mes doudous, je suis arrivée là, je suis à Euromarché, je suis à Leclerc quoi. Enfin, quand je dis Euromarché, c'est le centre commercial Euromarché Océanis. Maintenant ça s'appelle Océanis. C'est bondé, on peut se garer nulle part. Le parking souterrain est fermé. Je ne sais pas si c'est le week-end que c'est fermé, sans doute. Étant donné que ça ferme à midi, on n'a plus d'eau à la maison. On va voir ce que je peux trouver. Surtout que là, vous savez, il y a le mouvement social. Je vous en ai parlé sur TikTok. Hein. Encore une fois, j'ai pas envie de documenter ça dans le sens où, en fait, comment vous dire? Les voitures qui font du bruit, ça fait mal. Ça... T'es en train de vous dire, j'ai pas envie de vous documenter un petit peu les choses désagréables. Par exemple, moi, j'ai dû reporter ma vente. Également, bah, les barrages. Là, vous pouvez en entrevoir. Hein? Là, je sais pas si vous allez voir, juste ici, des ronds-points. Parce qu'en fait, ça viserait à populariser plus les désagréments que la cause, quoi. Et la cause, c'est la vie chère. Et moi, je vous en parle depuis que je suis ici, depuis que je suis arrivée ici, du coup. Donc là, je devais, en fait, pour tout vous dire, aller chez le papy de mes enfants, comme je vous ai dit, pour aller chercher quelque chose pour l'anniversaire de mon fils Joshua, qui a eu 10 ans. Du coup, pour lui acheter son cadeau ou ses cadeaux, mais je pense pas qu'il en aura beaucoup parce que en fait Joshua il est à l'âge où maintenant, désolé on me voit plus d'ailleurs, c'est le contre-jour, où il demande des cadeaux qui coûtent cher.
mais vraiment, c'est-à-dire 300, 400 euros, des fois ça peut aller jusqu'à 500 euros, il veut des choses un petit peu grandioses. Par exemple, l'année dernière, il a eu une sortie bateau. Bon, c'est vrai que nous, on l'a à titre gracieux, étant donné que c'est le travail de mon chéri, mais c'est quand même assez onéreux en fait. Et là, il a demandé quelque chose qu'il avait déjà, qu'il veut que je rachète. Mais on peut pas acheter ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc là, papy finalement n'était pas disponible. Donc je vais prospecter un petit peu le cadeau, aller chercher de l'eau parce qu'on n'en a plus et voir ce qu'on peut faire. Ailleurs. Je vous en supplie parce que depuis j'ai décidé c'est plus moi qui fais à manger. Hier Mimi elle nous a fait de la purée bien sûr à croix de maman avec des petites saucisses et tout. Et là on va faire des lasagnes au air fryer s'il vous plaît. Moi je me prends même pas la tête, je vais même pas revenir à la poêle et tout parce que j'avais trouvé une recette Mimi quand même. Ah là 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 là. Les couacs, j'étais en train de vous faire l'éloge de Mimi la cuisinière. Elle fait n'importe quoi. Et en plus, tu regardes Maëlle. Chabine. 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 Imani, elle a un caractère de feu. Hein. Faut le savoir. C'est elle qui a le plus gros caractère de la maison. Donc, j'étais en train de vous dire du coup que moi, je prends même pas la peine de faire revenir à la poêle et tout. Je mets tout dans l'air fryer. Quand vous êtes maman au foyer, vous avez beaucoup de choses à faire. C'est vraiment le top. Imani, tu sais ce que ça veut dire, ça? Oui, qu'est-ce qu'on met ça où? Est-ce que tu peux la fermer? Oui, il n'y a pas de souci. Tiens, Imani, tu verses? Tiens, prends le pot. Prends le pot, Mimi. Verse comme ça. Doucement. Bon, là, elle a juste envie de faire sa magie. Attendez, hop. Bah, finalement, c'est moi qui ai fini la lasagne, mes enfants. M'ont laissé tomber au profit d'aller jouer ensemble. Ils se sont préparés parce qu'il y a leur papy qui arrive, il y a papy qui arrive. Je vais rajouter un peu d'eau. On va voir ce que ça donne au air fryer du coup. Vous allez peut-être penser que je suis une flemmarde, peut-être, peut-être. Je mets vraiment un feu d'eau. Mais je fais tout comme ça. Parce que vous voyez, avec des enfants comme ça, qui foutent le bordel, surtout qu'en ce moment, il n'y a pas école, il faut mieux avoir un petit truc qui t'aide facilement à faire à manger. Qu'est-ce qui t'arrive? Mimi, tu manges? Elle, c'est notre maman qui mange bien, Mimi. Ouais, maman Mundo, c'est maman Mimi. Hein? Maman Mimi, Mana Pembe Mimi. Hein, c'est bon? Ah, elle adore manger, elle sourit tout le temps quand elle mange. Donc c'est un semi-succès pour le moment. Là le reste c'est pour mon chéri, je vais goûter un tout petit peu, mais très légèrement parce que là moi je suis en diète, je suis en période de sèche. Mais franchement les filles, le niveau il est super bien. Après c'est vrai que peut-être il n'y a pas autant d'options que les autres. Mais vous pouvez tout faire, vous pouvez même faire du pain apparemment. Donc je vais vraiment m'activer pour faire ça du coup. Est-ce que t'es sûre que je peux prendre Mimi? Parce que là t'essaies de... Je peux prendre ou pas? Est-ce que t'es sûre? C'est bon pour toi? A tout à l'heure? Non, il y a des trucs qui font peur ici. Ça fait peur. Peur. Mais puis je me suis un petit peu habillée et là carrément je vais hydrater un petit peu mes cheveux avec ma chantilly d'aloe vera. Maintenant non Imani, commence pas à vouloir aimer les caméras. Arrête, bouge. Oui c'est bébé, c'est ton bébé qui est là. Imani elle est juste là, vous voyez ses petits cheveux.
t'es toute belle. Il m'a dit, pourquoi tu danses? En fait, elle est en train de zouker. C'était la minute Mimi. Mimi, elle crève pour les caméras, elle crève pour les photos. Elle pose, c'est assez bizarre parce que Mimi, c'est vraiment une enfant qui est assez réservée avec les personnes qu'elle ne connaît pas. Mais en ce qui concerne les caméras, se montrer et tout, elle adore. Là, je vais démêler pas vraiment mes cheveux, mais les discipliner un petit peu. J'avais trop envie de faire un lissage au carré des filles parce que j'en peux plus. Là c'est vrai que j'ai arrêté de me plaquer les cheveux et tout. J'essaie vraiment de me faire un sevrage parce que j'ai fini, j'allais finir pardon, en bol front. Je pense que vous arrivez à vous imaginer c'est quoi un bol front. Non mais les filles, quand je vous dis que j'allais finir en bol front, c'est vraiment vrai en fait. J'allais plus avoir de cheveux parce qu'on s'en rend pas compte, mais quand on utilise les produits pour plaquer les cheveux, surtout qui sont pas très bons pour les cheveux. Excusez-moi, parce qu'il y avait un. Oh là là, je cherche. Excusez-moi. Non. Ma brosse était enfouie dans ce drap-là. Donc j'étais en train de vous dire que quand on utilise des produits pour plaquer les cheveux, on les utilise pratiquement tous les jours. Surtout quand on a une activité professionnelle. Donc franchement, ça les fragilise assez rapidement. Et de manière assez drastique, et j'allais plus avoir de cheveux devant littéralement. Déjà que depuis l'accouchement de Mimi, c'était assez fragilisé. À chaque grossesse, ça me fait ça. Et à chaque grossesse, normalement, je coupe là parce que j'avais pas envie de traumatiser du coup mon chéri, surtout qu'il était pas au courant. Vous savez, lors de ce vlog-ci là, quand j'avais coupé mes cheveux avant d'accoucher, j'avais vite fait des tresses. Mon chéri était même pas au courant que j'avais coupé mes cheveux. C'est quand il a vu la vidéo plusieurs mois plus tard, parce que lui il regarde mes vidéos plusieurs mois plus tard pour dire à quel point je raconte ma vie sur internet, enfin bref, et ben qu'il a découvert cela. Mais c'est toujours un petit peu fragilisé, mon dieu, je parle beaucoup trop. Là je me suis préparée, vous savez pourquoi les filles, parce que je devais recevoir le papier de mes enfants. J'ai pas pu le voir ce matin, pourtant j'étais arrivée pratiquement, même pas pratiquement, j'étais arrivée devant chez lui, mais bon, j'avais pas envie de les déranger avec ma belle-sœur et tout. Donc j'ai profité justement pour prendre un petit peu l'air concernant l'anniversaire de Joshua. Oui, c'était l'anniversaire de Joshua il y a quelques jours. On n'a pas eu vraiment le temps de le fêter avec tout ce qui se passe en ce moment en Martinique. C'est vrai que moi personnellement, je vous ai fait du contenu sur TikTok. Comme je vous ai dit dans ma vidéo de retour, je ne me suis pas lancée sur TikTok, mais je fais quelques petits contenus par-ci, par-là. De base, c'était vraiment pour ma boutique et c'est toujours centré sur ma boutique, mais des fois je parle de certaines choses et je vous parlais de la situation un petit peu en Martinique. Et c'est vrai que en fait à cause de cela, il y a certaines choses qui ont été mises au ralenti, des choses qui ont été annulées, des choses voilà qui ont été un petit peu saccagées. Donc ça fait que en fait malheureusement on n'a pas encore eu le temps de le fêter, de faire tout ce qui est cadeau, etc. Mais justement je devais voir le papier de mes enfants concernant cela, parce qu'il y a une cagnotte qui a été mise en place, pour vous dire la vérité, pour son anniversaire, étant donné que lui il veut un cadeau qui coûte assez cher quoi. Et là on est en train de commencer à aménager la maison, du coup à prendre des meubles et tout, faire la chambre des enfants, ça sera la première chose, et lui acheter un gros cadeau à je sais pas combien. Surtout que les enfants, je sais pas, mais doser avec les parents quoi. Déjà qu'on a des grosses charges pour vous. Est-ce que c'était politiquement correct ce que je voulais te faire? Pas trop, mais c'est vrai que en fait c'est vraiment là que je me rends compte de comment j'étais un petit peu capricieuse avec mes parents, parce que finalement je vous dis ça en mode rigolade par rapport aux enfants, mais moi j'étais comme Joshua quand j'étais jeune. Je demandais que les gros cadeaux. Moi à mon époque c'était la Nintendo Wii que je voulais absolument. Il y avait une rupture de stock, je m'en rappelle, en France. Mon papa était parti aller chercher ça en Belgique, il avait fait tout le trajet. Enfin bref, je sais pas si vous vous rendez compte les filles, parce que là je vous parlais de pourquoi j'ai vu le papy de mes enfants et mon fils Joshua, il a eu quand même 10 ans. Joshua, vous l'avez connu, il avait l'âge de Mimi, littéralement. T'es vraiment grave. Donc
Là, je vais me préparer pour être un peu plus belle. Je vais le changer et on va. Oh. Dis bonjour. Bonjour. Maman, je le trouve qui nickel. Mais non. T'es un gros garçon? T'es pas le bébé de maman? T'es pas le bébé. Vraiment, il avait un an et quelques qu'il allait avoir 2 ans. J'ai commencé YouTube en août et son anniversaire c'est en octobre. Il avait un an et quelques. Il parlait déjà beaucoup, il était très bavard, un petit peu comme sa maman. Quelle victoire! Je me rappelle qu'à l'époque et depuis qu'il est né, d'ailleurs un peu moins maintenant, beaucoup moins maintenant, je ne vais pas vous mentir, que pour moi, chaque mois de vie de Joshua était une victoire. Parce que je vivais sur le fil du rasoir et on devrait tous vivre comme ça afin de mieux profiter du coup de nos vies. Parce que j'ai été tellement choquée du départ de mon premier fils Joachim que je me suis dit n'importe quel moment, ben celui-là va pouvoir, pas pouvoir mais il peut partir sur moi à n'importe quel moment. Donc il faut vraiment que je profite et chaque jour et chaque mois était une victoire. J'avais vraiment envie de fêter ces mois anniversaires. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que finalement Joachim, j'ai fêté ces mois anniversaires chaque mois jusqu'à ces 6 mois il me semble. Et je me dis peut-être que j'ai fêté ces mois anniversaires parce que inconsciemment Dieu savait que je n'allais pas pouvoir fêter son premier anniversaire. Bref, et vraiment d'ici, oh là là, c'est grâce à Joshua si aujourd'hui vous me voyez ici sur YouTube et si je suis encore en vie. Je vous le dis parce que sans cet enfant, pardon, je n'aurais pas été en vie du tout. J'aurais rejoint mon fils parce que en fait j'étais tellement dans un état psychologique très compliqué. Vous imaginez bien hein, une jeune fille, un bébé, parce que j'étais un bébé à l'époque de 20 ans. Perdre son enfant loin de sa famille, loin de ses parents comme ça, c'est juste terrible quoi. Surtout connaissant mon caractère très émotionnel, assez mélancolique, surtout quand j'étais en fin d'adolescence et début d'âge adulte, et j'ai toujours gardé un petit peu cette mélancolie. J'étais vouée à ne pas survivre à cet événement de ma vie. C'est grâce à mon fils parce que j'avais quelque chose sur lequel me raccrocher, si je peux dire ça comme ça. Et vous savez, je suis arrivée à un stade de ma vie que je rêvais. Vous voyez, c'est vrai que je cherche toujours à faire des choses, gagner plus d'argent, faire connaître mon site, faire des vidéos, du contenu, être sur TikTok, être sur Instagram, faire des réels, oula, faire des réels, etc. Toutefois, je me suis rendu compte en fait que j'ai accompli le rêve de ma vie en fait. Je me rappelle quand j'ai eu Joshua et même après la mort de son frère, je me suis dit mon Dieu, je rêverais d'avoir une vie plus ou moins simple, un peu comme tout le monde, faire des tartes. J'avais un cahier que ma mère a perdu malheureusement où j'avais écrit toutes ses pensées à travers des lettres que j'écrivais à Joachim. Et finalement j'ai réussi ce rêve là. Et ça c'est grâce à Joshua. C'est vrai par la suite grâce à Ariel et Mimi, mais grâce à Joshua également. Après je vais pas vous mentir que tout ce que je suis en train de vous dire pour Joshua, même s'il s'en rend pas compte, il sait pas que c'est pour ça, c'est lourd à porter. C'est très dur de passer après une personne qui est décédée, que ça soit un enfant, que ça soit même dans une relation en fait. C'est vraiment très compliqué. Oh là là, j'ai mis du lâche anti-carité, mince, sur mon linge, c'est pas très grave. C'est très difficile dans le sens où, en fait, des fois les parents, ils réagissent d'une certaine manière, par peur, par crainte,
ou parce que en fait l'enfant représente tellement quelque chose de puissant, en fait il représente la vie du coup après la mort, que c'est lourd à porter sans que vous puissiez comprendre pourquoi en tant qu'enfant. Moi, des petits à Joshua, je lui ai dit qu'il avait un frère qui s'appelait Joachim, qu'il est décédé, qu'il était dans le ciel, etc. Donc je pense qu'il est capable de comprendre. C'est même pas qu'il est capable, il comprend certaines choses. Mais je sais que c'est pas forcément évident, du coup, parce qu'il n'y a pas juste cette symbolique d'enfant qui a rapporté la joie. Certes, c'est vrai, c'est la vérité. Mais pas que. Vous voyez les filles, quand vous coiffez bien les cheveux, parce que ça donne là, ça fait effet très négligé. En plus, vous voyez, j'ai eu les cheveux un petit peu cassés à force de faire des plaquages. Je vous ferai une vidéo concernant ma perte de cheveux aussi. Mais au quotidien, étant donné que j'ai pas trop envie de traumatiser les cheveux, des fois mes cheveux ils sont comme ça devant et ça fait vraiment pas très joli. Alors que là, alors que je n'ai pas vraiment plaqué, j'ai juste démêlé mes cheveux, ça fait super propre. Parce que là j'étais à deux doigts de me dire, est-ce que je vais pas me faire un lissage au karité comme Méré. Je pense que vous la connaissez, Méré dit, si je regardais sa vidéo aujourd'hui. Donc j'étais en train de vous dire les filles que c'est pas facile, je sais, et même pour moi c'est pas facile hein, parce que en fait mon fils pour moi comme tout enfant, mais de manière encore plus symbolique, c'est un cadeau parfait venu de Dieu. Mais le problème c'est que les enfants, les êtres humains sont pas parfaits. Et là il arrive à la période où je vous dis les filles, la préadolescence, j'arrive même pas à croire que déjà j'ai un préadolescent. Pour moi c'est lunaire de dire ça, mais c'est bien la vérité. C'est un petit peu compliqué à gérer, et surtout il est la personne qu'il a envie d'être et pas la personne que j'ai envie qu'il soit. Vous voyez, moi et mon fils, on a des styles assez différents. Lui, par exemple, il aime bien le rap, les gazos, etc. Moi, c'est vrai que je peux écouter ça. Cependant, je préfère écouter de la J-pop, la K-pop, ce genre de choses-là, parce que je trouve que le rap, en fait, ça nous met trop dans, en fait, dans une, dans un mood où on a envie de tuer tout le monde, où voilà, vous voyez, un petit peu les valeurs qui sont véhiculées dans le rap. Et je n'ai pas envie d'écouter ça, parce qu'en fait, surtout quand vous avez des problèmes dans votre vie, vous avez tendance à être dans une violence alors que vous n'êtes pas comme ça en fait. Et si vous êtes comme ça, c'est accentué. Moi, au bout d'un moment, je ne vais pas vous mentir, j'ai écouté Gazo, je vous avoue. Surtout là, c'est la chanson avec Niho qui est toujours dans ma playlist. Il faut que je l'enlève, d'ailleurs, je vous en parle, là, je vais l'enlever. Et à chaque fois que j'écoutais deux fois Méchant, j'étais deux fois plus méchante en fait. Là je suis pas belle, vraiment. Et tant que je plaque mes cheveux, je suis pas belle. Je fais vite mon beurre de cul, mon chantier, je plaque ça. Et c'est vrai que lui il aime et moi j'aime pas. Et en tant que parent, des fois on aimerait que nos enfants adhèrent à ce que on prône, parce que soi-disant on sait que c'est mieux pour eux. Et moi je sais que c'est mieux pour lui, ça serait mieux pour lui d'écouter des choses beaucoup plus apaisantes, ou même de la musique classique, par exemple, pas forcément de la K-pop ou de la J-pop, mais j'ai déjà été enfant. J'ai déjà été enfant et je suis toujours l'enfant de mes parents, et des fois je fais des choses avec lesquelles mes parents ne sont pas du tout d'accord. Par exemple, quand je suis venue ici, mes parents n'étaient pas du tout d'accord. Exemple. Donc voilà. Mais les filles, ça passe vite. Profitez de vos enfants. Profitez vraiment d'eux. Chérissez-les, passez du temps avec eux. Moi, vous savez, j'ai beaucoup profité. Enfin, j'ai un peu profité pendant l'été. J'étais quelques fois dans des bars et tout avec mon chéri. Mais le fait d'avoir cassé ma voiture, encore une fois, non seulement j'ai pu rester avec maman, mais j'ai pu profiter avec mes enfants. Parce que bientôt, si Dieu veut, en fait, c'est Joshua qui va du coup... Aïe, mince. J'ai pas déjà des cheveux qui tombent assez. Là c'est pour tirer. Oh punaise, j'ai fait n'importe quoi. Ah, attendez. Oh. Donc j'étais en train de vous dire que bientôt ça sera les Joshua et les Ariel qui vont me fuir entre guillemets. Et même les Mimi, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la petite Mimi. Donc vaut mieux en profiter. Parce que avant Joshua, Ariel et Mimi, il y avait moi et Grâce, et il y avait vous également.
il n'y a pas longtemps, on était les enfants, la génération millénium. Ouais, millénium, ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est beaucoup mieux. Regardez, j'arrive pas à faire marrer. C'est une plaie. C'est n'importe quoi. J'aime pas les filtres. Moi, ce que vous en pensez, j'aime bien quand mes cheveux, ils sont plaqués. Et d'habitude, je resserre comme ça. Mais là, j'essaie de faire vraiment un travail sur moi-même pour éviter que... Bref, de faire de la tension sur mes cheveux. J'ai beaucoup de mal avec mon visage comme ça. Surtout que là, je suis en pleine perte de poids. D'ailleurs, je suis en train de voir mon Power Steam Detox qui est juste ici. C'est vraiment du bien. En plus, là, il fait un petit peu frais. Une petite boisson chaude avec un petit coup de frais comme ça. Ça fait du bien. Winter Arc commence les filles, c'est-à-dire qu'on se cache pendant l'hiver afin de préparer son corps du coup pour l'été. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur mon site www.ajafit.fr pour choper votre cure perte de poids ou même vos services. Donc comme d'habitude, vous allez sur Ajafit du coup et vous pourrez trouver en home page la possibilité de faire un diagnostic gratuit. Comme ça, je vous recontacte. Par la suite, vous pouvez descendre en bas et voir tous les produits qui sont disponibles, que ça soit les produits physiques. Et vous savez qu'il y en a deux, le Power Steam Detox et le Power Steam Caps, mais également les services ou produits digitaux. Les mêmes produits, vous pouvez les trouver par catégorie dans le menu juste en haut. Et pour celles qui sont intéressés par les box, c'est un peu plus en bas. Je vais mentir que pour cet anniversaire, je suis un petit peu déçue parce que il y a un grand absent. Je pense que vous avez deviné c'est qui, mais je vais régler ça et je vais vous en parler. Et d'ailleurs, je suis pas déçue de moi, mais je regrette beaucoup de choses vis-à-vis de cette personne-là par rapport à certaines choses de ma vie, mais certaines positions que j'ai prises en mode voilà. La mère des enfants, super gentille, séparée, mais super gentille, super compréhensive. Et des fois, à ne pas comprendre certaines femmes, en fait, qui sont un petit peu méchantes, entre guillemets, avec leur ex-compagnon. Maintenant, en fait, je comprends. Je comprends vraiment. Évitez de parler de situations que vous n'avez pas encore connues et que vous n'avez pas vécues. Ou si vous en parlez, parlez-en avec beaucoup de retenue parce que vous ne savez pas. Là, je suis vraiment très déçue. Mais le plus important, en fait, c'est qu'ils soient entourés, aimé et chéri de personnes qui ont envie d'être autour de lui, même si que je sais que lui particulièrement, pas rien, mais lui particulièrement, il manque quelqu'un aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va faire un. Just be honest, the mood is okay.